Bonjour à tous, bienvenue dans les chaînes du destin, moi c'est Epic et nous faisons du Warhammer 4ème édition, adapté à l'actuel play, évidemment. Je suis en la compagnie de mes 5 merveilleux, incroyables joueurs, esclaves, personnes qui vont prendre cher, beaucoup de morts aujourd'hui, je vous le promets. Ah, si vous me croyez pas, fallait voir sur les réseaux sociaux, j'ai publié la raison pourquoi il y aura beaucoup de morts. Voilà. C'est joli et ça a beaucoup pas mal. De trop. C'est joli, ça a beaucoup de trop et ça, c'est en 3 parties. Rotatif, peut-être. Ça on verra avec le. Ouais, non, t'es pas prêt. Nous sommes avec Wayla, Ragid, Erfried, Tommy et Kruger, qui ne se souvient jamais de son nom de famille. Kruger, ton nom de famille ? Friedart. Oh, ça mérite un point de descente. Ah ouais, presque. Tu sais quoi, un point de chance. Ce qu'il a été. Quelle gentillesse, incroyable. Je suis trop bon. Mais avant, comme d'habitude, quelques petites annonces. Déjà, merci à tous ceux qui nous suivent et surtout à nos Patreons. Merci à vous. C'est grâce à vous qu'on est là et on le répétera à chaque épisode. À bassiner les gens, mais rejoignez-nous. Ensemble, nous sommes plus forts. Deuxième annonce, comme d'habitude, si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à le dire sur Discord. On fait des mèmes, enfin on reçoit souvent des mèmes. On discute surtout avec les gens là-bas, pour nos vannes, pour ceux qui aiment partager et tout, mais sinon lâchez aussi des commentaires sur YouTube. Et puis, dans cette série de campagne, vous avez la possibilité de voter. Des votes qui ont plus ou moins d'influence, mais au moins un gros vote par live. Donc souvent, ça met la sauce. Sinon, nous avons deux sponsors qui sont Craft sur Table et D&D Arsenal qui vous font un rabais de 10% si vous mettez le mot de passe suivant, celui qui apparaît en dessous de moi. Voilà, comme ça je passe pas pour un débile à chaque fois en prononçant le terme. Je sais que vous savez lire, donc je le dis comme ça. Oui, et un dernier merci à Soundtales qui nous permet de mettre une petite musique d'ambiance qui imprègne mieux les joueurs et leur permette de mieux. J'aurais dit mieux faire de l'acting, mais. Meilleure immersion. Meilleure immersion. Je pense que c'est mieux se taper dessus. Mieux se taper dessus aussi. Oui, alors, si tu peux éviter de tuer tout le monde de nouveau, ce serait bien. Sinon, pour le live, restez à la fin sur Twitch. Nous, on reviendra discuter avec vous vite fait, une fois qu'on aura coupé tout ça. Et nous allons prendre ce début de partie avec un résumé de la part de Will. Mes souvenirs sont flous. Et limpide à la fois. Une discussion avec la famille de Tommy, enfin, ce que je crois être sa famille. Je tire son destin au plus jeune, il part dans la nuit sans considération pour le couvre-feu. Et je me souviens encore d'une observation dans la tour, le vent noir, puis notre réveil le matin. Et est-ce que c'est une chevelure blanche que j'aperçois là-haut, dans la tour ? On s'y rend. Quelqu'un est mort à la tour cette nuit. Le doute m'envahit. Quelle carte ai-je tirée au petit ? La mort ? Je ne sais plus. On décide de monter dans la tour. Une porte. Oh, cette porte. Cette infâme porte. Hideuse et majestueuse porte. Une faite porte d'os et de crâne bloque notre passage. Vivante et nécrotique à la fois. Il y avait un prix à payer. Celui de l'agonie. Ragid essaye de régler la situation en sacrifiant un rat, pour lequel, bien qu'elle ne s'en doutait pas, mais pour lequel le destin était arrivé à son terme. La porte se retourne contre elle, lui assène un coup d'une envergure proportionnelle à celle que le rat a subie, et la vie s'échappe violemment du rat. Après un moment de délibération supplémentaire, je sens Erfried s'impatienter, et avant que je ne puisse comprendre clairement ce qu'il avait en tête, je le vois charger l'austère porte de sa massue. C'est à ce moment-là que la solution m'apparaît. Mais est-ce vraiment à moi qu'elle apparaît ? Alors qu'Erfried heurte de sa masse l'osseux battant de la porte avec toute la noire furie qui l'anime, les mots se forment sans même une pensée dans mon esprit. Non, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas son destin. Contre ma morale, je les prononce. Je ne veux pas les prononcer. Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'arrêter de les prononcer ? Une agonie. Il nous faut une agonie. Nous avons besoin de ces mots, de cette mort, de son destin.
Il n'a pas d'autre moyen. Je ferme les yeux au bord des larmes. Je sens la violence de la porte se décupler, se retourner contre Erfried. Sa douleur rayonne en moi. L'onde de choc propulse Erfried en arrière. Le mur stoppe son vol de plein fouet à côté de moi. Et instantanément, alors qu'il n'a même pas fini de glisser au sol, ma main se pose sur son épaule et le sort part. Impuissant, ivre de douleur, Erfried revit une des pires agonies que le destin lui ait fait subir. On le voit se tordre de douleur, tenter de protéger son genou d'une attaque invisible, puis son corps se crisper, se déformer sous des coups invisibles. Il hurle jusqu'à ce que plus aucun son ne puisse s'échapper de son être. Il n'est pas mort, heureusement. Je ne me le serais pas pardonné, et je ne lui aurais pas pardonné non plus. Mais quelle puissance ce sort! La porte s'ouvre, nous entrons. Nous rencontrons le nécromancien. Lenoth Maleficium. Quel nom lourdingue! Vieux tas de Lenoth. Pas étonnant que je veuille voir sa vie, son destin s'achever. Non, ce n'est pas moi. C'est lui, c'est Dieter. Oui, c'est moi. On tente de discuter avec ce serpent de Lenoth. Lenoth Maleficium. Il n'a d'intérêt que pour moi. Et je ne sais pas quoi lui répondre. Je ne sais pas quoi lui demander. Je me sens instable. Je sens Dieter instable. Bouillir de rage dans mes tripes. Lenoth continue de parler. Je ne l'écoute plus. Je viens de la voir. Elle est là. Dans une cage. Je ne vois pas son visage. Je vois ses cheveux. Ses cheveux blancs. Une fiole éclate au sol, j'entends les autres crier. Je reviens à moi, des spectres, fichtres. Les autres s'élancent dans la bataille. J'ai commencé à comprendre mon rôle dans tout ça. Je canalise les vents, ou est-ce que je canalise autre chose? J'entends les notes psalmodier, un sort exactement au même moment. Je lance mon sort, il lance le sien. Ragid tire une flèche aux conséquences néfastes sur un spectre. Ce n'est pas le spectre qu'elle touche. C'est Erfried! Quel idiote! Le sort part. Des destins qui n'auraient pas dû revenir dans ce monde repartent dans le néant. La bataille fait rage. Sans pouvoir l'expliquer, je sens la vie de Ragid flétrir, devenir poussière. La bataille s'achève, Lenoth périt. Enfin, il était temps. Tommy rend la machine inutilisable. Ragid passe ses nerfs sur ce qu'il en reste. On libère les prisonniers. Ce n'était pas elle. Je me retourne et Erfried me fusille du regard. Je m'en veux. Il m'en veut. Dans toute la démesure qui le caractérise, je sens sa souffrance et la traîtrise qu'il m'attribue. Puis, une pierre. Une pierre à la puissance juste suffisante. Un éclat de démence rend sa pouvoir à une créature d'antan. Je suis à nouveau là. Elle leur donne un choix, à tous. Jurer allégeance ou mourir. Tour à tour, ils donnent monde la puissance. Ils en veulent plus, tous sauf une. Poussée contre le bord de la fenêtre, au sommet de la tour. La mort éternelle, les chaînes tombent. Ou rejoindre Malal. La décision est dure. La décision est impossible même. Mais Ragid fera le bon choix. Il lui faut sa vengeance avant même sa vie. C'est ainsi que nous reprenons avec nos 5 aventuriers. Je considère que la nuit a passé. Vous êtes en relative forme pour ceux qui étaient blessés. Il ne se passera rien de particulier normalement, à moins que vous cherchiez la merde, dans les quelques jours. Donc vous pourrez gentiment récupérer votre vie, si tant est qu'il vous en manque. À travers divers boons de guérison et autres. Par exemple, je me souviens que Tommy, il lui restait un point de vie. Oui, ça fait peut-être. Pilu. Constamment à côté de lui, c'est un peu chiant.
te laisserai regagner ta vie. Yeah. Toujours moins que certains, mais... Toujours moins que certains, mais c'est déjà ça. S'il y avait danger plus imminent, je vous aurais pas laissé régénérer. J'aurais fait faire soigner Kruger. Mais je considère que Kruger applique ses soins dans l'intervalle de temps qui est donné. Et donc, tout revient un petit peu. Des prisonniers, vous en aviez sauvé. Est-ce que vous vous souvenez lesquels ? Et que j'ai mis mes notes, moi. Sauf erreur tous. Oui, oui, mais quel genre exactement ? C'était des Alphalans. La famille. C'était des Underfoot. Oui, exactement. C'est ça. La famille qui était le plus en. En disgrâce parmi les Afflins et qui s'était carrément retrouvé en fait esclave. Est-ce qu'on s'attendait à ce qu'ils reviennent en vie ? Pas forcément. Ça causera des problèmes dans la suite d'aller chez Chatham de les avoir libérés. Mais bon, ce n'est pas votre problème, à vous. En revanche, il y a une autre personne. Et pour ça, le live, vous votez maintenant. Cette personne est une petite fille d'une dizaine d'années à peu près. Dizaine, douzaine d'années. Son âge, elle ne le sait pas. Chose particulière, elle a ses longs cheveux blancs. Mais pas blancs comme un vieux. Blancs comme presque une lueur. Et c'est comme si ses cheveux reflétaient presque de l'ultraviolet à ce stade. Ils vous éclairent. C'est un phénomène bien particulier et, ouais, là, sans avoir besoin de faire de tests, ses cheveux sont imbibés de magie. Ça, tu le ressens. C'est ça qui t'a attiré la première fois. Quant à Kruger, toi, ce qui t'avait attiré dans cette tour, c'était que c'était peut-être ta fille ? Eh ben non. Elle est ailleurs. Oh. Je vous reprends donc au petit matin, après le petit déjeuner copieux. Je vous laisse un petit peu voir ce que vous voulez faire. Et ensuite, j'embraye. Je vais voir Wayna. Ça marche. On est d'accord qu'on a reçu quelques récompenses des anciens après ce qui s'est passé. C'est une chose à négocier. Elles ne sont pas encore arrivées. Ah. Marc n'est pas présent. Il s'est déjà levé et est déjà parti au travail. Faire quoi ? Vous savez pas. Oui, là, je sais plus si j'ai fait ça à votre personne, mais c'est quoi ça ? Je lui montre le pendentif de nécromancien que j'avais récupéré sur le cadavre. Ça a quelque chose à voir avec les vents. Avec les vents de magie. Ça ne te sera pas utile. Ça te serait utile ? Oui, ça me sera utile. Tu veux lui pardonner l'agonie qu'elle t'a fait vivre ? Ah bah non. Non, justement. Je regarde Wayla encore. Ça te serait utile donc à toi ? Par extension, ça nous serait utile à tous. Parce que sans ça, je serais moins apte à me défendre. Pourtant, tu me sembles très apte à l'offensive. Par contre, ça a l'air de valoir ce petit bâton de fortune. Tais-toi, Tommy. On ne le vendra pas. L'argent, c'est toujours utile. Mais donc, hormis une flèche perdue alors que les ennemis n'avaient pas d'archer. Ah, ça, c'était pas moi. Hormis ça, parce que Ragid a quand même... eu assez mal après. J'aimerais peut-être comprendre ce qui s'est passé avec je saurais vraiment, la porte. Je ne saurais pas l'expliquer. J'ai essayé de lutter cette... Moi, je les écoute dans la... ces paroles qui sont sorties de moi. Mais elles devaient sortir. C'est pas... C'était pas ma volonté. Je pose ma main sur la table. Assez fortement, mais je ne le fais pas parce que le micro n'a pas apprécié.
Et donc, je dois partir de l'idée que c'est ok. Ah, moi je ne pense pas que c'est ok. Mais ce comment n'est pas... je peux te faire confiance? Ce n'est pas quelque chose que je t'aurais fait consciemment. Je t'ai toujours soutenu dans tous tes choix, contre les autres aussi. Attends. Là, je m'avance. J'interromps, oui, là. Je fais... Désolée de m'immiscer dans cette conversation, hein, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre depuis le coin de la pièce et il me semble que tu es en droit de savoir ce qui s'est passé. De mon point de vue, quand tu as tapé la porte avec ta masse, tu t'es retrouvé assommé à côté. Et Wayla a commencé à plasmodier un petit peu ses enchants bizarres. Elle s'approchait de toi, elle t'a touché. Et après, t'as commencé à crier. Sans ça, la porte ne se serait pas ouverte. Et ce n'est pas moi qui aurais lancé ce sort, je ne le sais même pas. C'est encore pire. À quel moment, du coup, tu vas perdre ce contrôle? Voilà ce que Ragid dit, ce que je pense depuis le début. Comment je peux te faire confiance? Vous pouvez me faire confiance à moi, mais vous pouvez pas forcément faire confiance à Dieter. Et c'est la même chose pour moi. Comment est-ce qu'on sait que ce que tu dis est vrai, et que c'est pas juste toi qui as lancé ce sort? Dieter, nous on le voit pas. C'est juste de toi. Je ne ferai jamais quelque chose qui va à l'encontre de votre destin. Et Dieter, en plus, on l'a déjà vu, hein, contrairement à elle. Ah, il a essayé de nous tuer la première fois, c'était parfait. Du coup, pardon, vas-y. Mais disons que ça soit elle ou que ça soit pas elle, ça change rien. C'est son corps, ça peut arriver à n'importe quel moment, du coup, puisqu'elle ne contrôle pas du tout ça. Donc, que... Et qu'on la met en cage? Qu'on ne fasse pas confiance en elle ou en l'éditeur. Oui, c'est... Non, c'est de l'humour. T'inquiète. Oh, ils sont capables. Oui, je sais. De toute façon, on va pas pouvoir s'en éloigner. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un moyen... Est-ce qu'on peut la baïonner? De contrôler ça. Quand on... C'est à vos risques et périls, parce qu'en même temps, je ne sers à rien si je suis baïonné. Si tu es toujours à côté de quelqu'un, mais, et qu'on peut vite enlever le baïon... Je ne parle pas tant que ça, en vrai. Sauf quand tu psalmodies quelque chose. Je ne vous ai jamais tué. Je n'ai jamais frappé quelqu'un. Je n'ai jamais été à l'encontre de quelqu'un, sauf si elle était en train de m'étrangler. Jamais tué. Je ne crois pas être au courant de ça. Mais donc du tu n'étais pas là. Je ne poserai pas plus en de questions. En même temps, tu vas un petit peu vite en besogne. Là. Les circonstances font que... Tu peux pas étrangler chaque personne qui va contre ce que tu veux. Tu... Elle peut essayer. Tu peux essayer, mais moi je me défendrai. Puis Erfried, si... Tu veux juste plus qu'elle fasse ça. Enfin, t'as qu'à juste garder une distance de sécurité. Hein. Plus t'approcher d'elle, elle pourra plus toucher. Je ne le ferai pas volontairement. C'est volontairement. Mais si tu as peur de ça, juste mettre de la sécurité. Hein. Petite distance de sécurité. Peur. Il n'a pas peur. Je sais pas pourquoi tu veux pas ça. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de confiance. Qu'est-ce que tu aurais besoin de moi? Justement, que je puisse compter sur toi par la suite et que d'un coup, je ne vais pas me retrouver avec une dague métaphorique dans le dos. À partir de là, j'ai grandi sans pouvoir faire confiance à qui que ce soit. Maintenant, les circonstances nous ont réunis. D'abord, notre destin avec Kruger et au final, ces chaînes que nous avons autour de nos poignets. Et moi, je vous fais confiance. Et une chose que je ne tolère pas, c'est que l'on déçoit ma confiance. Ainsi, je veux juste pouvoir m'assurer mes arrières et les arrières des personnes en qui j'ai confiance. Tu peux avoir confiance en moi, mais je ne peux pas prendre la part de confiance de Dieter. Parce que moi non plus, je n'ai pas confiance en Dieter. Je tape la table.
Eh bien, dans ce cas, débarrassons-nous de Dieter quand il ne sert plus à rien. Donc il apprend quelque chose et ensuite. Le problème, c'est que c'est lui qui canalise la magie en moi. Ah, pourquoi est-ce que c'est toujours si compliqué cette histoire? En plus, c'est une bonne idée ça. On n'était pas venu pour ce nécromancien sur les conseils d'Dieter. On était venu le tuer. Parce que Dieter, il avait... Mais tu ne sais pas si Dieter se l'a mis à l'envers. Tout ce que tu sais, c'est que Dieter était contrôlé, enfin était partiellement affecté par le sort du nécromancien Lenaf, qui lui-même maintenait son sort en constance dans cette tour, et que sa défaite l'a libéré, c'est-à-dire qu'il n'est plus activement en train d'essayer de posséder le corps de Will. Par contre, il vous avait en effet promis de vous aider. Aide que vous avez pas vue pour l'instant. Ouais, donc ce sera intéressant de rentrer en contact. C'est pas passé encore beaucoup de temps. Une fois qu'on voit ce qu'il pourrait nous apporter, peut-être que je reconsidérerai la situation. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, je ne vois pas comment je pourrais te faire confiance, même si je fais confiance à Wayla. Tant que Dieter est là-dedans, je ne peux pas faire confiance à Skor. Il faudra que tu fasses confiance à Dieter, mais il faudra que tu parles avec Dieter pour ça. Eh bien, à ce moment-là, c'est une discussion à avoir avec lui et pas avec toi, Willa. Comme il ne peut plus me contrôler, c'est ça. Il ne peut plus contrôler mon corps, normalement, ça devrait être bon. Est-ce que tu penses que ce serait possible de rentrer en contact avec lui? Oui, il t'a appris un sort pour l'appeler. C'est juste, c'est ça que j'avais demandé. On est toujours à l'auberge. Vous êtes toujours à l'auberge. Est-ce qu'il y a un ancien avec qui discuter? J'ai un sort pour communiquer avec lui. Dans le coin. Tu peux aller chercher. Je peux lui poser des questions. Tu peux aller chercher l'ancien qui est en face. Alors, celui que vous aviez déjà rencontré. Est-ce que Dieter, la boutique, peut faire quelque chose et offrir une certaine réparation pour ce qu'il m'a fait subir? Voilà une question que tu peux lui poser. C'est moi qui lui pose, ou bien c'est genre... T'as pas à le faire maintenant. C'est à toi d'incanter le sort. T'as pas à le faire maintenant, mais... Ouais, mais genre, en rôle place, je fais quoi? Genre, c'est un sort. Tu pars à ma place, ou bien... Ah, non. Bah, tu sais pas, tu l'as pas encore utilisé. Ok, bah du coup, je fais ça. Tu l'utilises maintenant? Bah ouais. Ok. Mais c'est qu'une fois, ou bien c'est... Non, tu peux le réutiliser. Bah ouais. Bon, alors, juste, fais-moi un petit jet d'endurance pure. Tu vas avoir mal à la tête. Okay. Pendant ce temps, tu vas voir l'ancien. Oh putain. Il aimerait aller voir l'ancien. Ouais, j'ai très mal. Donc je vais avec lui. Tu vas avec lui. Oui, juste pour avoir suffisamment de... Tu t'es raté? Moins 3. Ok, tu te cognes bien la tête. Juste donc vous voyez bien la tête de Wayla qui fait PAM sur la table et qui rebondit et qui s'éclate sur le sol, elle est KO. J'aurais dû la buffer. Pendant ce temps, Wayla, bon, dans un monde éthéré, tu relèves la tête. Face à toi, vous êtes dans cette auberge, mais l'auberge est grise. Elle est spectrale, dans le sens où les murs ont l'air de s'effilocher par des à-coups de vent, de magie, ou tu sais pas trop. L'endroit est éphémère et à la fois pourtant est là depuis une éternité. Dedans, Dieter te regarde, droit comme un i. Oui, j'ai mes compagnons ont une question. Et je ne peux pas continuer sans te la poser. Donne ta question. Comment peuvent-ils savoir s'ils peuvent te faire confiance? Si on peut te faire confiance? Tu vois qu'il a l'air confus. Vous ne pouvez pas. Vous avez respecté la part du marché. À moi d'honorer la mienne. Mon savoir est tien. Je t'enseignerai les arts occultes que tu n'as jamais entendu ni même rêvé. En cela, je paierai ma dette. Il se retourne et il disparaît. Tu me rendors. T'es toujours dans ce monde. Non. Qu'est-ce que tu fais?
Afrid ? Pas de réponse. Ils sont pas là. Tommy ? La taverne est vide. Raggy ? C'est vraiment le désespoir, c'est comme quand on appelle Raggy d'aller. Ok, bon. J'essaie de me retaper la tête sur le sol. Passe. Étrangement, pas à travers de la table, ce qui est déjà agréable, mais tu ne ressens rien, en fait. Il n'y a pas réellement d'impact. Tu remarques qu'en fait, tu es en train de flotter un petit peu dans cet endroit. La physique n'est pas la même. Je me retourne, j'essaie de passer les bras, je vois une sorte de spectre. Ouais. Okay. Tu laisses des filins derrière toi aussi. Comment je vais sortir de là ? Tu regardes un peu dehors, tu crois apercevoir un mouvement. Je m'approche de la fenêtre. Fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. 0, mais genre j'ai foiré. T'as foiré. Pas beaucoup près. Ok. Tu ne remarqueras rien alors que quelque chose te shoot hors de ce royaume. Tu te réveilles, bam, t'as mal à la tête comme jamais. Alors c'est bon, j'ai ta réponse. Tommy. Tiens, prends un peu de ma bière. Pendant ce temps, Tommy Kruger. Merci. Vous allez voir l'ancien. Bien, bonjour, vénérable ancien. Bonjour, messieurs. Cela fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Bien longtemps. Deux jours, un jour. Bien longtemps. Exactement. Une goutte d'eau dans ma vie. Différent pour chacun, suivant son expérience. Vous avez quel âge ? Ça se pose pas ce genre de questions. Ça ne se demande pas ce genre de questions, voyons, monsieur. Ah, pardon, je savais pas. Je suis un vénérable. C'est tout ce qui importe. Alors, quel est votre âge vénérable ? Ça se pose comme question. Il s'offusque. Je lui fous une note. Enfin, j'arrive pas derrière la tête, mais. T'as le petit. Vous vous souvenez du gamin de l'ancien qui était à côté, qui prend. Qui sort un carnet, qui fait infraction numéro 18. En train de noter, ça va vous coûter. Bah oui. Rien. Ça, je te défends pas, hein. Messieurs, que puis-je pour vous ? Je venais me renseigner un petit peu, suivant l'hypothèse que un groupe de personnes vous aurait libéré d'un nuisible dans ce groupe, dans ce village. Mm-hmm. Quelle aurait été la récompense pour ce groupe de... J'ai besoin de savoir code de votre total de pièces d'or à chacun pour répondre à cette question. Parce que j'ai oublié zéro. De demander. Zéro. Zéro. Une. Dix. Ok, ouais, bon. What the fuck? Il fait... Ouf. Tout à fait. Nuisible et débarrassé. Eh bien, dans l'hypothèse où votre ami Marc... a réussi sa part aussi du marché, je pense que vous pouvez tabler sur une bonne aide pécuniaire. Disons plusieurs dizaines de pièces d'or. Cela semble respectable. Qui seront évidemment transmis durant un marchandage à la baronne. En échange de vos loyaux et bons services, vous serez donc rémunéré plusieurs dizaines de pièces d'or. C'est très généreux, merci. D'un service à la baronne. Rappelez-moi juste qui est la baronne exactement. La baronne... Il existe de nombreuses baronnies dans le Sirlande. Sachant que la guerre tournait un petit peu au vinaigre, la baronne avait décidé quand même de partir avec une petite troupe faire du marchandage ici à Eschenstein. C'est une dame excentrique qui n'a clairement pas les pieds sur terre. Mais néanmoins, elle a ses avantages. Tout comme elle nous fournit une excellente explication sur comment vous payer, afin de ne pas nous mouiller et de nous débarrasser du problème. Vous aurez moins de mal à disparaître dans ces genres de conditions. Cela semble très
très intéressant. Et du coup, nous aurons un moyen de transport et des vivres sur ce voyage. Tout à fait. Alors, moi, je pars du principe que vous serez amplement fournis en termes de nourriture sur au moins plusieurs bons mois. Et puis, une monture chacun. Cela se mérite, n'est-ce pas ? Par contre, prenez-en soin. J'ai reçu des nouvelles que vous n'êtes pas très apte avec les animaux. Non, juste avec une personne. Mais on fera notre mieux. Si vous avez besoin d'un cours, maintenant est le moment. Et dans le cas de ce cours, faudrait qu'on s'adresse à qui ? Je vais vous mon fils va vous annoncer. Vous okay. Je n'ai jamais une mauvaise chose. Non, du tout, du tout. Et je voulais vous demander encore autre chose. Oui. Est-ce que vous auriez à votre connaissance des moyens de canaliser, même de sceller la magie dans des personnes pour qu'elles ne soient pas utilisées, qu'elles ne ressortent pas? Ici, nous faisons des meubles. Cedarwood. Je sais. Pas de magie. Donc non. Mais est-ce que vous avez entendu des rumeurs? Alors oui. Est-ce que des artistes... Vous avez un problème avec la magie? Allez voir les nains. Dois-je vous rappeler qu'ils ont une sainte horreur de la magie? Ils ont en plus des capacités de dissiper la magie extraordinaire en maniant ce que j'aurais appelé la sorcellerie, mais selon eux ce n'est pas le cas, des runes. Des runes. C'est toujours la formation qui s'avère utile, j'en conçois. Merci beaucoup. Marc entre. Ah, vous êtes là. C'est bon, j'ai réussi avec la baronne. On est engagé. Très bien. Eh bien, dans ce cas, je vais réunir le conseil et dans l'après-midi, la baronne sera payée, bien évidemment. Je vous remercie, vénérable ancien. Oui, mais merci beaucoup. Oui, bien, merci. Marc Gouga. On va pouvoir se mettre en route bientôt. Nous avons cru comprendre, oui. Réunissons la troupe, j'ai des choses à dire. Normalement, ils sont toujours dans la taverne. Nous devrons les retrouver assez facilement. C'est bon, ils n'ont pas l'air d'avoir causé d'autres problèmes. Je picole au bar. Tu reviens, l'ambiance est quand même bien mauvaise. Hein. Tu l'as quitté 3 minutes. On revient. Qui c'est qui veut un cours d'équitation? Ouais, bonne idée ça. On peut manger le cheval après? Ok. Malheureusement non, mais par contre ça nous permettra de savoir un peu mieux faire. Un peu mieux monter après. Moi j'attends aussi la réponse de Wayla. Mais je suis douteuse, cette pauvre. T'as vu comment elle s'est tapée la tête sur la table? Tiens, ouais, mais bon. Tu t'es tapée la tête sur la table? Oui. Il y a un dernier point qui n'a pas été mentionné. Hein. La petite Élise. Elle est dans le village aussi, si vous voulez aller discuter avec elle. Donc, il nous a dit qu'à partir de maintenant, vu qu'on a rempli notre part du marché, il nous a donné. On n'a plus rien à craindre de lui. Et du coup, comment on peut lui faire confiance? C'est toujours des paroles, hein. Les actes, pour le moment, ne sont pas ouf. Il n'y a pas un truc concret? Puis techniquement, il y a quoi comme réparation pour ce que j'ai subi? Qu'est-ce que tu veux comme réparation? Je sais pas, qu'est-ce qu'il peut offrir? Ben, à part t'aider dans ta vie de tout, dans toutes les batailles comme il l'a fait depuis le début, je ne vois pas trop ce qu'il peut t'apporter dans le spectre, dans ma tête. J'ai besoin juste du deuxième vote du live, on va embrayer avec cette fameuse caravane. Écoute, on verra bien. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment expert en loi spectrale et genre... Est-ce qu'ils peuvent mentir? Est-ce qu'ils sont obligés de respecter ce qu'ils disent? Comment ça se passe? Ah, vous n'en avez aucune idée. Elle a une vague idée, mais vous... Ouais. Il fera ce qu'il dit. Dans ce cas-là, je m'en remets à toi, mais s'il y a un dérapage, advienne que pourra. Tu supportes bien la vague idée ici présente? Pendant qu'elle parle, il y a un filet de sang qui sort de son nez. Que j'ai à voir dans cette histoire encore. Je t'ai fait comme ça. C'est pas la première fois que tu lui tires une flèche dans le dos. Je pouvais pas savoir que vous allez traverser le spectre. Je suis pas expert en spectre, moi. Et pourtant expert en arc, non? En arc, oui, j'ai bien visé. Mais sauf que ça a traversé, ça, je pouvais pas savoir.
Du coup, c'est cours d'équitation. Hein. Alors, je vous laisse l'option. Vous avez. Non, en fait, on va faire mieux. Vous allez faire un jet de chevauchage qui sera moyen. Donc, vous avez un bonus de 20. Dépendant si vous le réussissez ou non, vous allez apprendre à chevaucher correctement. Un petit peu. Donc on se retrouve dans un paddock, il y a des chevaux et il y a des alphelins qui sont en train de nous expliquer comment monter à cheval. Il n'y a pas que des alphelins dans ce village, je le rappelle. Okay. Il y a quelques humains. Plus zéro. Plus zéro. Plus zéro. Plus cinq. Wow, la vache. Nice. Ok. C'est quasi une réussite automatique. Quasi, mais ça l'est pas. Non. Plus deux. Plus deux. Bah, ça okay, c'est une réussite chez tout le monde en fait, c'est ça. C'est jusqu'à 0,5 ou 0,6 ? 0,5. 0,5. Donc, mesdames et messieurs, vous gagnez tous 5 points en chevauché. Oh, nice. On met un 6ème chez Ragid pour sa performance exceptionnelle. Yes. Elle sait un petit peu mieux que vous chevaucher. Je vais mener la troupe maintenant. Deuxième chose, empathie animale. Cette fois, c'est plus exigeant. C'est quoi, emprise des animaux ? Emprise des animaux, exactement. Exigeant ? Exigeant. Je t'ai pris un sabot, c'est ça ? Bah, les animaux, ça me connaît pas. Je vais prendre un point de chance. Je vais aussi prendre un point de chance. Non, 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 je me prends un sabot, ça va très bien. Ouais, magnifique. Je vais en prendre un aussi. Ça prend des points de chance pour aller courir des plus cours d'emprise. Plus 5, yes. 3. Du coup, ça nous fait plus 5. Plus 3. Échec automatique, ce qui fait moins 5. D'accord. Moins 1. Ok. Je vais le simplifier autrement pour toi. Donc tous sauf Tommy, vous apprenez à manier un petit peu, à vous occuper un peu des chevaux. Vous gagnez donc chacun 3 points d'emprise sur les animaux et 5 pour voilà. Ces bonus sont bien évidemment gagnés sur le temps. Tu peux en avoir 5 aussi parce que j'ai fait un bon résultat. T'as fait combien ? Réussite automatique. Ah, réussite automatique. J'ai fait 3. Plus 5. Ouais. Moins 1, désolé. Ça fait quand même plus 3. Ouais. T'as fait moins 1 ? J'ai fait moins 1. Ah, désolé, non, donc toi t'apprends que dalle. Je me disais qu'il y avait un problème. Mes excuses, mes oreilles sont un petit peu bouchées. Donc, juste que vous compreniez, ces bonus, c'est parce que vous allez passer un certain temps sur la route. Donc je considère que vous allez un peu apprendre comment vous y prendre, ok. Donc je vous le donne maintenant, mais c'est considérant ce qui va se passer derrière. Juste que vous avez pris les bases et vous allez pouvoir les répertorier un peu plus. Donc certains ont appris un petit peu mieux à chevaucher, d'autres pas. Tommy, après avoir bouffé 2 fois la bouse, 2 fois, tu entends « Il est marrant ce petit personnage! Amenez-le-moi !» Tu te retournes en jaune pétant la baronne. J'essaye de nettoyer comme je peux, surtout dans les beaux habits. Tu arrives et tout, un peu à côté. Mon petit, vous n'arrivez pas à passer du bon temps avec les chevaux? Ça va être difficile pour notre retour. Une fois que je suis dessus, tout va bien. C'est plus compliqué, c'est de pouvoir y monter. Vous voyez, avec ma petite taille, ils n'ont pas toujours tendance à vouloir s'amener à mon niveau. Cela ne se fait pas. Mettez-le avec moi. Je le prendrai. Considérez-le comme un animal de compagnie, s'il faut. Non, j'ai dit non. Vous m'entendez bien? Voilà, oui, voilà. Il vient avec. Il se lavera, vous inquiétez pas. Vous vous laverez, petit personnage. Mais oui, bien sûr. Quel est votre nom? Tommy. Tommy, ben parfait, Tommy. Très élégant, Tommy. Je suis sûr qu'on aura beaucoup à discuter. Quant au reste de la troupe, ils ont l'air de savoir un petit peu ce qu'ils font. Marc est à côté de cette dame. C'est un peu dégradant tout ça, quand même. Tu regardes un peu en mode... Oui, tout à fait. Nous sommes des renforts pour sa garde. Eh bien, celui-là, il est... dégoûtant. Parlons d'Erfid. Et elle a la peau blanche. Ouais. Bon, pourquoi pas. En fait, puis elle regarde Wayla, puis elle regarde Kruger.
Vous êtes une curieuse bande de personnages quand même, hein, on va pas se le cacher. Tout à fait. Tout à fait. Ça me dit c'est hétéroclite comme groupe, effectivement. Ah, je confirme, je confirme. Mais je suis sûr que vous entendrez très bien avec Charles. Qui est Charles? Qui est Charles, tout à fait. Alors que vous regardez sur votre droite, il y a Charles qui a un pied sur la palissade pour garder les chevaux, qui est en fait en train de vous observer. C'est un homme avec une sorte d'énorme trench coat qui le protège un petit peu, si vous voulez. C'est carrément le mec qui conduit la caravane et le carrosse. Je me sens pas. Regarde, Charles, venez. Charles, il arrive. Regarde, Tommy. Allons bon. Ah, flin. Bonjour, monsieur. Il tend sa main. Mais bien bonjour. Je serre un petit coup. Un peu sale, mais bon. Il y a qui à côté de moi? Vous êtes les trois sur les... Vous êtes les quatre sur les chevaux pour l'instant. Vous tournez en fait. Vous êtes en train de faire le cours d'équitation. Okay. Et puis, Charles, regarde, fait... Moi, c'est Charles. Charles Ulftorf, des fois, qu'on m'appelle. Fais-moi un jet de perception. À travers tes lunettes un peu bizarres. À travers ton savoir. À travers tes capacités de perception hors norme. Je ne vois rien. Beaucoup mieux. Plus 3. Charles semble sourire d'une façon malsaine en regardant la baronne. Un peu en mode. Non, parfaitement normal. Ouais, si, si, si. Du coup, nous, on voit pas. Enfin, nous, on fait du cours d'équitation. De l'équitation. Vous ne verrez. Il est en train de rire et se frotter les mains aussi. Non, pas à ce point. Ça dit. T'as fait plus 3? Oui. Allez, je te donne ça. Puis regarde votre troupe, il a l'air mi-figue, mi-raisin. Il a l'air mi-content de voir Erfried. Mais il a l'air d'avoir de nouveau un œil un peu de tort en regardant les deux filles. Surtout Ragid. Je sens que je vais m'amuser, vous êtes parti. Ah, ça va être sympa. Je me sens pas. Donc, le vote. Le live a voté. Non, Mandrine, ça est noté, Choupi. Je prends le nom. Ça m'intéresse. Quoi? Oh, j'en avais un, mais il a l'air mieux. Arrive un personnage aussi large, si ce n'est plus, que Tommy, mais de la même taille. Ses pas sont lourds. Quand tu le regardes, Tommy, t'avais jamais vu un nain de ce genre. Sa barbe longue, grise, extrêmement longue, touche presque ses pieds. Il a un œil qui est complètement blanc. Et l'autre montre clairement un signe de compétence hors norme. Ça, c'est pas n'importe qui. Madame. Ah! Protecteur! Je vous présente Mordrine. Mordrine, voici votre nouvelle compagnie. Ils sont là pour nous assurer que les présents et les autres gages de signes de bonne volonté remontent jusqu'à votre forteresse sans problème. Tu regardes, tourne autour de toi. C'est vraiment, il roule des mécaniques, quoi. Puis regarde les autres. Il y en a deux qui serviront. Les autres, c'est du bétail. Puis il repart. Ne vous en faites pas, Mordrine est un petit peu difficile, mais ô combien efficace. Je l'ai moi-même vu une fois alors qu'il arrachait la tête d'un bandit. Et oui, on m'avait bien entendu. Arraché. Nous, on entend ça ou vous êtes juste Tommy qui entend ça? Juste Tommy. Je vous laisserai retransmettre. Vous êtes friand de ce genre d'histoire. Vous êtes friand de ce genre d'histoire. Friand? Ah, vous n'imaginez pas à quel point la vie est monotone quand vous êtes baronne. T'es, regarde, il y a quelqu'un qui passe. Bon monsieur, il t'a la flingue. Tenez, elle donne une pièce d'or. Rapportez-moi des pâtisseries et avec de la vanille en plus et un petit thé. Voilà, vous serez gentil. Regarde la pièce. Ouais, je vais faire ça, ouais. Puis il part.
pièces d'or. Oui, oui, bien plus que ce qu'elle a demandé. Hein. Voilà. Il remettra jamais de pâtisserie. Ah si, 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 il gardera juste le reste pour lui. Vous arrêtez de faire de l'équitation. Quoi déjà? Oui, la journée est quand même relativement vite passée. Vous faites en effet connaissance avec Mordrin, qui est le protecteur de cette caravane. La caravane comporte est en deux parties. C'est-à-dire que les affaires de la baronne sont déjà un peu sur le toit du carrosse et plus. Et derrière, il y a encore une caravane de biens, en fait, qui sont là, entre autres, pour être vendus au niveau des Aflins. Mais vous apprenez qu'ils font route vers Karak-Ungor, en passant par d'autres cités naines, bien évidemment. Leur but est de rejoindre les montagnes du bout du monde. Alors, jusqu'à maintenant, je crois que je m'étais gouré en plus, je m'excuse. J'avais parlé des montagnes grises, mais les montagnes grises sont à l'ouest de l'Empire. Les montagnes du bout du monde sont la chaîne vraiment qui font vraiment la scission en fait, dans le monde de Warhammer, qui sont elles à l'est. Et c'est là où vivent les nains, entre autres. Leur but est donc de remonter par là-bas, et bah, coup de chance, vous, ça vous permettrait de vous immiscer dedans et de passer plus ou moins incognito. Donc pourquoi pas profiter d'une pierre deux coups, vous seriez payé pour votre travail de garde, mais en attendant, Karak-Ungor c'est loin, c'est-à-dire que vous avez des vivres, je vous donne l'équivalent de 100 pièces d'or, au total. Alors il sera dilapidé au fur et à mesure de la route aussi un petit peu, mais je vous donne 100 pièces d'or. Si vous avez changé de niveau, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la classe bouseux, mais que vous avez changé de rang, je voulais dépenser 5 pièces d'or pour vous habiller et vous équiper intégralement. Yes. Avec l'équipement qui va avec. Pour l'instant, cette somme, je la donne intégralement à Tommy. Et Tommy, je le laisserai faire les comptes parce que c'est le seul à fin du groupe. Donc c'est lui qui recevra l'argent. De toute façon, je n'ai pas de bourse alors. Voilà. Si vous voulez vite vous équiper sur quelques objets, là est le moment. Et oui. Bon, Tommy, demandez gentiment. Allez, Tommy, rappelez-moi. Tommy. Donc. N'oubliez pas que c'est... Alors, juste un petit détail. N'oubliez pas que la caravane marchande possède des vivres et des choses que les nains veulent, mais que les nains possèdent des armes de qualité d'armes à feu supérieures, des armures potentiellement en mitril ou autre, des possibilités de ruiner les objets, etc. Donc, arriver chez les nains avec de l'argent peut être une bonne idée. Et je vous annonce que le tarif sera vachement cher. Oui, une question. Voilà. Autant économiser. Moi j'ai une capacité de tir où je sais tirer à l'arc. Est-ce que ça marche avec le pistolet? Non. Non. Il faudrait qu'il apprenne le tir au pistolet. Ok, ça marche. Ça peut être pas mal. Bon bah voilà. Moi c'est bon, je prendrais bien. Il peut être intéressant notamment d'acheter des potions de soins. Ouais. Ou autre genre de potions. Dans le sens où jusqu'à maintenant je vous ai mis 3 coups, j'en tuais un. Donc. Ou peut-être que Kerfried, il est peut-être bon temps de t'équiper mieux que juste un casque en métal scaven, hein, qui te donne un certain air. C'est vrai que suite au combat, du nécromant et à quel point genre les potions de soins de Marc ont été utiles. Bah je crois qu'il a sauvé Kerfried, non? Oui. Oui, la potion m'a sauvé. Ouais. Ouais. Donc. En vrai, moi je suis prêt à m'équiper pour 5 pièces d'or. Alors non, vous équipez, c'est juste changer votre rang. C'est-à-dire que maintenant, vous allez commencer à dépenser une certaine somme pour garder un certain niveau de prestance. Oui. Fini de dormir dans l'écurie, vient le moment où vous allez commencer à prendre des chambres. Fini le moment où vous vous demandiez la piquette, vient le moment où vous commencez à demander une vraie bouteille de vin, avec un peu d'arôme. Moi, je prends en tout cas. Ça marche. Moi aussi. Donc vous me demandez comment? Oubliez pas que c'est lui qui a l'argent. Bon, Tommy. Tu vois un peu comment on est habillé là? Oui, bien sûr. J'aimerais bien atteindre le même niveau de classe que toi, tu vois. Disons que... Ouais, c'est la vie en fait. Il n'y a aucun souci, j'attends juste le mot magique. S'il te plaît. Oh. Je te tends les 5 pièces d'or. Merci. Et que ça saute. Maintenant qu'ils sont en train de se rhabiller, vu que j'ai pas changé de classe encore. Bon, allons, s'il te plaît, Tommy. Tu recherches l'endroit où elle est. Ouais. Ça marche. Merci. Du coup, on monte de statut. Donc, vous montez de statut. Le statut est correspondant à votre classe. Je me souviens plus exactement quel rang vous atteignez, malheureusement. Différent pour chacun. Donc. C'est ça. C'est-à-dire qu'on verra durant la pause. Après. Mais en effet, vous êtes plus bon 0. Plus ou moins, vous montez un peu plus haut. Ouais, ça fait un moment qu'on avait un peu augmenté parce qu'on avait dépensé quand même. Oui, vous aviez dépensé un peu plus. Bah là, vous allez atteindre un petit peu plus la prestance. En montant d'une classe. Voilà. Ensuite, je reprends Willa. Willa, tu vas chercher la petite Élise. La petite Élise est dans la rue.
Personne ne s'occupe d'elle. Elle a l'air hagarde. Elle regarde un peu les vents. Comment t'es arrivée dans cette tour? Elle te regarde. Anne. J'ai l'impression de te connaître et de ne pas te connaître en même temps. C'est étrange. Dites, madame, vous aussi, vous manipulez la mort? D'une certaine façon. Vous pourriez m'apprendre? Déjà que j'apprenne moi-même, je peux t'apprendre ce que j'apprends. Regardez. Dans sa main, elle possède un petit tas de cartes. Tu sais les utiliser, ces cartes? Non. C'est la seule chose que j'avais pour m'occuper dans la tour. Ça, je sais utiliser. L'objet déborde d'énergie, hein, qu'on soit bien d'accord. Vous les voulez? Tu peux les garder, mais je t'apprendrai à les utiliser. J'en ai pas besoin. Ok. Mais je vais les prendre alors. Tu t'approches, tu prends les cartes. Tu sens leur magie s'imbiber. Elles ont clairement un potentiel magique, mais jusqu'à là, elles n'étaient pas chargées. Je me suis dégouré quand je disais elles débordent d'énergie. Quand tu les touches, l'énergie de Malal investit les cartes. L'énergie du destin. Pioche j'en une. Monte là. Le fou. Le ma. La main. Le ma. Le ma. Mais il a un peu l'air fou. Ouais, on dirait un joker. Ça marche. On va jouer sous cette augure. Tu ranges ta carte. T'es rien de faire. Vous savez, il faisait des trucs pas sympas dans cette tour. Qu'est-ce qu'il faisait dans cette tour? Il condensait tellement de vents de magie et puis il essayait de faire des trucs sur nous. Moi, j'ai eu un peu plus de chance, j'ai survécu. Enfin, c'est pas vrai. Je crois que je suis mort à un moment. Je crois que je suis morte aussi une fois. Ah bon? C'est pour ça que tes cheveux sont de cette couleur? Ça, elle les prend, elle les tire. Ah oui, ça pourrait, ouais. Je me retrouve beaucoup en toi. Tu sens qu'elle a un potentiel magique, hein? Je pense que ça serait une bonne chose que tu viennes avec nous, si tu veux. Tu vois que ses yeux se mettent totalement à larmoyer. Fais-moi un jet social. Non, pas moi. Facile. Je sais pas faire un jet social. Facile. Elle est loin ou pas? Bah, techniquement, tu faisais rien. Bon, tu peux l'avoir accompagnée si t'as envie. Plus 2. Ah, bah, c'est bon. Ok. C'est bien quand même. Elle se met à pleurer des larmes. En fait, tu t'attendais pas à ça, mais il y a personne qui s'occupe d'elle. Elle savait pas quoi faire. Elle s'accroche à toi. Elle te pleure dans tes bras. Krieger, Krieger, Krieger. Je crois son. Krieger. T'arrives. Il y a trop de contact là. Il y a trop de contact. On va. Je chope la petite. On la prend en mémoire. Tu la prends. Ses cheveux blancs te perturbent, tu sais pas pourquoi. T'as l'impression d'avoir un morceau de Wayla à côté de toi. Ah, je crois que je me vais pleurer, c'est tout. Avec la petite. Ok. Tu gagnes un point de chance. On va s'occuper de toi. Toi aussi. Je vais aussi, merci. Très bon RP. On va s'occuper de toi. La petite Elise rejoint donc votre troupe. La baronne la regarde, fait. Mais qu'elle est sale, voyons! Mais qu'est-ce qui lui est arrivé, pauvre petite? Et quelle belle chevelure! Tu ferais une magnifique dame de compagnie dans 10 ans. Vous rêvez.
Très bien. Otus, petit personnage. Comment ça? Il faut s'occuper de la petite. Vous l'avez nourrie, peut-être? Elle ne restera pas avec vous. Ah! Et vous allez faire quoi? Chevaucher avec? Nous en occuperons. Peut-être quand même... Ah, un brin de rationnel. Hein. Vous allez la mettre en selle, elle va décéder. Tiens, peut-être quand même la mettre dans la caravane. Peut-être la mettre dans la caravane. Oui. Mais elle ne restera pas là pendant 10 ans. En tout cas, il faut trouver quoi faire de cette fille. Marc, il vous regarde un peu en mode... Vous êtes sérieuse? Vous allez garder la fille? Mais vous vous rendez compte de la dangerosité de la mission? On ne peut pas... Ouais, on va pas mettre une enfant en danger comme ça, parce qu'on risque qu'on a pas mal plus solide que vous. Non, c'est vrai que le fait qu'elle vienne avec nous, plutôt qu'elle reste dans ce village où elle ne connaît personne, et personne fondamentalement peut-être pas les aider... On sait pas si elle connaît personne. Soit. Mais au moins chercher un endroit, un orphelinage, quelque chose. Mais pour le moment, elle vient. Pour le moment, elle reste avec nous. Et je pense que... On ne peut pas l'emmener partout. Non. C'est dangereux pour elle. On ne va pas l'emmener dans la prochaine tour de nécroman. Mais elle est très dehors. Depuis quand il y a une autre tour de nécroman? Mais c'était un exemple. C'était juste... Écoute le papa ici. On va pas dans une nouvelle tour de nécroman. Okay. C'est lui le père. Construit. Il faut écouter. Ah oui, c'est vrai. C'est toi le père dans l'histoire. La petite fille, elle... Poke, Wayla. Wayla, tu te retournes, elle fait... Tu l'as vu? Fais-moi un jet de perception. Non, mais elle serait presque bien avec la baronne, finalement. Non, c'est pas tu l'as vu. Tu l'as ressenti. Désolé. Fais un jet de perception. C'est quand même perception. C'est vrai que c'est j'ai quand même réussi. C'est plus 4. Tu entreaperçois un petit cheveu blanc qui... Un morceau de chevelure, en fait, comme si quelque chose venait de passer le coin du bâtiment. Tu l'as vu passer? Tu l'as vu? T'as vu quoi? Je l'ai senti. Je commence à m'avancer dans cette direction. Tu vas regarder dans cette direction. Okay. Tu vois les deux chevelures blanches qui font en demi-tour. T'as vu quoi? Qu'est-ce que t'as senti? Comme je disais... Quelque chose de tellement familier. Moi aussi. Je sais pas ce que c'est. Faut qu'on aille dans cette direction. Alors vous allez perdre un bon quart d'heure à aller regarder un champ. Puis ensuite dire bon... Oui, là, elle déconne par moment. C'est pas la première fois, on va pas la faire. Non, de toute façon, elle peut pas aller bien loin. Ouais, c'est ça. Bien, donc, je vais prendre la dernière action. Marc va vous prendre un petit peu à côté. Bon. On est bien parti. Il sort une map. Pour l'instant, nous sommes à Eichelschatten. Nous allons devoir sortir et traverser la Sylvanie. Mais grâce au laissez-passer, pour peu qu'on le modifie un petit peu, nous devrions pouvoir atteindre les bordures d'Ostermark facilement. Et une fois fait, nous prendrons le petit couloir qui remonte par l'école des nains. Mais il va falloir nous dépêcher. Nous sommes en retard. Si nous prenons trop de temps, nous serons bloqués par la neige. Elle était passée par l'Empire. Elle est passée par l'Empire. Au moins, là, on n'aurait pas eu de problème de neige. Mmh. On aurait eu plein d'autres problèmes. De toute façon, la baronne, maintenant qu'on est engagé pour elle, on va aller la suivre et puis voilà. Bien. Et on ira dans l'Empire. Donc, si je ne m'interromps pas, nous allons passer par Karagungor, puis nous redresserons jusqu'à Kislev. Là, il faudra se faire petit. Et rejoindre la taverne. Je vous souviens si j'ai donné un nom à cette fameuse taverne? Quoi? Vous deviez rejoindre une taverne. Je crois que j'ai jamais donné. Une taverne. On doit rejoindre une taverne. Pour le moment, on doit aller dans le nord. C'est tout ce qu'on sait. Ouais, ok. C'est un vieux lieu saint pour malades, mais c'était jamais une taverne. Mm-hmm. J'ai jamais dit. Ouais, ok. Non. Nous devons rejoindre la taverne de l'ours sanglant. C'est important. Là-bas, il est caché une entrée secrète avec plusieurs artefacts magiques. L'un d'eux permet d'aller dans sa dimension. Mais faites bien attention. Le coin n'est pas sûr pour nous du tout. Ils sont extrêmement suspicieux. Ils n'ont jamais trouvé l'endroit. Mais ils m'ont trouvé, moi. C'est vrai que la magie...
Les nains, ils aiment pas trop ça. Enfin... Les Kislevites, c'est pas les nains. C'est les Russes du Nord. Les Ruskovites qui maintiennent contre les barbares. Les nains. Les invasions barbares. Hein? Non, alors, c'est au nord à quel point? C'est au nord où il neige tout le temps. Ok. Ouais. Okay. C'est genre vraiment, vous allez en Sibérie, quoi. Donc autant dire, genre, il faut qu'on se trouve des habits chauds avant d'y aller. Après, où est-ce qu'on va se choper des habits chauds? Alors, moi je parle du principe que là, dans cette évolution de personnage, je peux vous piquer des pièces d'or pour vous filer un habit vraiment chaud, si c'est ça la question. Mais. On peut s'arrêter ou même tuer des ours, faire des. Tu le tues pour moi? C'est vrai. Moi, je me fais pas contre parce que. Retour à froid, alors. J'adore quand on part du postulat qu'il y a des gens qui savent faire des habits à partir de peau d'ours. Tu prends la peau, tu fais clouc, et t'as chaud. C'est pas comme tes habits raffinés, tu sais. J'ai pas dit qu'elle allait faire un habit, j'ai dit qu'elle allait m'équiper avec une peau. Tu prends la peau de l'ours sur moi. Ça court deux fois. Non mais Tommy, moi je te suis, on peut aller les acheter quelque part aussi, les habits. Moi, je vais bien acheter aussi. Ouais. De même. Mais est-ce que... Non, je démerde avec sa peau, voilà. Est-ce qu'on prend les habits... Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, je sais quel choix. Moi, j'irai me choper les habits chauds chez les nains, pas ici. Ici, il faut encore... Ils auront ta taille. Je peux pas te voir. Ils ont pas de taille. Non, parce qu'ils savent faire des vêtements chauds, c'est surtout pour ça. Après, oui, on trouve un tailleur pour se faire des habits à notre taille. Hein. Donc, la carte, c'était bel et bien le fou. Ça s'appelle le main en français, mais c'était le fou. C'est donc un nouveau départ. Un nouveau départ pour vous tous. Sur ce, j'active cet effet et je vous donne tous un point de détermination. Ainsi qu'un objet de votre choix qui est compris dans le prix. Mais c'est vraiment l'effet de l'altère. En fait, votre destin est très légèrement altéré. Ce qui fait qu'il y a un petit peu de bonnes choses qui vous arrivent. Vous pouvez réfléchir un petit peu à un truc que vous aimeriez bien. Attention, si c'est trop cher, je dirais non. Un objet. Un objet. Qu'est-ce que j'ai paumé le long de ma route? Oh, mais beaucoup de choses. Donc ça... J'ai plus. Ma santé mentale. Non, avant ça, c'est trop cher. Ouais. Je fais juste la liste de qu'est-ce que. Moi, j'allais dire un chien. Ouais, mais si on doit jouer avec un chien. Ça va être chiant, c'est ça. Ouais, et puis surtout, moi, je veux pas de blessures sur animaux de compagnie. Ouais. Ça, par contre, sur un petit enfant, ça va. Pas de soucis. Aucun problème. Tu peux avoir un petit enfant si tu veux. Tu peux avoir un petit enfant si tu veux. Tu peux avoir un petit enfant si tu veux. Un petit nourrisson avec air frit. Tu peux l'éduquer comme un chien. Ouais, bon, alors ça. Tu peux l'appeler raton. Non, alors ça, non, on va éviter. Non, dans ce cas-là, moi je dirais bien. Comment ça, l'objet est trop sympa? Non. Non, je suis gentil. Je suis pas trop gentil. What about a new weapon? Peut-être. J'ai deux questions. Est-ce que tu m'autorises à avoir un pistolet? Je t'autorise à acheter un pistolet. Ok, alors je prends ça. À acheter, hein? Oui. Oui, j'ai pas dit qu'il y en avait là. D'accord. Un nouvel objet, pas un truc qui vaut 10 000 pièces d'or. D'accord. Nouvelle massue, slash hache, slash gros truc bourrin. Ah. Une sorte d'albarde. Ça pourrait être cool, ouais. Je sais pas si j'ai ça, moi. Pour le moment, j'avais ma masse cloutée, tu sais. Tu sais pas les manier. J'ai une albarde, mais tu sais pas les manier. Je devais avoir ça écrit quelque part, ou bien? Oui. C'est une spécialisation. C'est très cher. Du corps à corps. Trop cher. Et les arbalètes? Trop cher. Je pense que les armes, ça va être trop cher, les gens. Bon, bah, oublions les armes, alors. Ce qui fait que ça peut être des potions. Ça peut être des potions. Quoi d'autre? Des potions, dans ce cas-là. Potions de soin? Ouais. Ok. Ça peut être des herbes. Yes. Ça peut être des poisons. Ok, moi, je sais ce que je veux. Dis-moi. J'aimerais un parchemin de protection. Genre, où ça fait une sorte de cercle autour de nous, si on est tous dans un cercle. Tant qu'on est dans ce cercle-là, on est protégé des coups autour. Ça n'existe pas dans le sens où c'est très 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 fort de faire vraiment un mur magique. Toi aussi. Ouais, c'est.
peut-être qu'avec la saison précédente, sur la fin, on aurait rencontré des gens qui auraient pu nous faire ce chemin. Oui, exactement. Mais là, là, je pense que c'est un peu chaud. Là, en mettant des pouilleux. Je sais. Mais c'est une bonne idée. Une fiole de poison dans laquelle je peux tremper la pointe de mes flèches. Je te donne. Ce sera un bon jeu. La bois pas. Un bon gant. Une langue de vipère aujourd'hui. Ouais, ouais, ouais. Parce que toi, pas. Moi, je suis tout à fait gentil, moi. Un petit ange. Ouais, ouais. Petit ange. Ouais, c'est. Est-ce que. Objet. Tu penses à quoi? Je pensais à une compétence. Qui aurait... Non, mais alors. Non, compétence. Objet. Non, objet. Qu'est-ce que je t'avais proposé contre le courage? Une fiole d'hydromel. Oui. C'était ça? Je t'avais préféré poser la cuvée de l'ancien. Oui. Ouais. Le petit tonneau. C'est vrai que j'avais eu ça. Tu veux un tonnet? C'est donné gentiment, gratuitement, je vais pas dire non. Après, tu deviendras un prêtre alcoolique, même. Mais ouais, vas-y. Ok. L'ancien te donne son tonnet personnel. Oh. Alors que je lui ai demandé son âge moins d'une journée avant. Hein. Oui, bon. Mais bon. Un pistolet, ça coûterait combien? Beaucoup de pièces d'or. Parce qu'on arrive juste pour faire une distance. Ou tu ne l'avais pas demandé. Plus, il faut que je prenne le prorata des endroits où t'es, des gens qui essaient de t'excroquer. Je crois. Une dizaine de pièces d'or minimum. Ok, ça va. Il y a moyen. Oui, Tani. Pour que je sache. Oui. Je crois que je sais. Est-ce que je peux prendre mes 5 pièces d'or, s'il te plaît? c'est demandé de manière un peu trop à la manière d'un chien battu. Okay. C'est pourquoi exactement? Non, mais. Vu les derniers trucs qui se sont passés, je trouve que les habits que je pense après reflètent plus le fait que. Bah, que je suis un prêtre à part entière, pratiquement. C'est vrai que ça ressemble plus à un mendiant. Voilà. Et donc j'ai envie de refléter le fait que oui, j'ai pris des engagements auprès de mon Dieu et je veux que ça se reflète. Ok. Est-ce qu'on a envie qu'il ne ressemble pas à un mendiant? Oui, on a envie qu'il ne ressemble pas à un mendiant. Ouais, par contre, si vous utilisez un tant soit peu votre jeu, de vous assurer qu'il ressemble toujours à un soigneur aussi. Quand même, ouais. T'as toujours ton matériel, tu le mets. Parce en que c'est ce qui s'est. Enfin, plus d'une fois, ça vous a valu des bonnes choses. Genre quand on s'est fait enrôler dans l'armée de vampires, ouais, c'était une bonne chose. J'aurais pu juste vous abattre et partir avec le carrosse. Oui. Ok, de ce point de vue-là, d'accord. J'ai bien parce que moi j'avais pensé le fait, non mais je vous abats, je vous ressuscite et puis c'est bon, vous vous aidez là. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, Willa? Je sais pas, j'ai des idées, mais je suis pas sûre que c'est adapté au niveau quoi. Pour me dissimuler, donc j'ai pensé à une branche de sapin. Une branche de sapin. Cape d'invisibilité. Dis-moi. Ok. Une cape d'invisibilité, tiens. et des semelles faites par des elfes qui fait que quand tu marches, tu n'entends rien. Non, parce que j'ai déjà un sort pour bah, tu sais ça. Quoi ah, oui, c'est vrai. Toi, tu seras, ça sera ton jeu de cartes. Voilà. Non. Enfin, oui, mais. Ah oui. Ok, bon. Bah, il a beaucoup de puissance, donc. Ouais. Ça se met à 8. Vous avez tout suivi ou non? Non. Tommy, t'as rien demandé. Oh, autant, je sais. Mais Tommy, il a pas utilisé ses 5 pièces d'or. Tommy, il avait déjà level up, je crois. Ouais. Il avait déjà changé d'habit. Oui, j'étais. Mais si, t'as pas dit que c'est parce qu'on dépensait des pièces d'or Alors, je vous coûtais des pièces d'or annuellement, mais lui, il a déjà changé de tenue. D'accord. J'ai déjà payé pour cette tenue. Oui. J'ai vraiment dépensé de l'or pour de ça. De ta poche en plus. Si oui. Je te donne mon objet gratuit, est-ce que tu me rends le collier d'une écrémation? Oh. Moi j'avais pensé à l'inverse, je me suis dit que Tommy aurait dû négocier les 5 pièces d'or contre l'objet. Ouais, moi je te les donne. Si je les négocie pour un, s'il te plaît, je suis pas encore à ce point. Je t'en donnerai même plus, mais j'en ai pas. Ce serait quoi du coup l'objet alors? Parce que qu'est-ce qu'il me faut moi? Du coup t'aurais plus d'argent pour t'acheter une plus grosse arme. Ah, c'est pas mal. Hein. Tu peux aussi te demander de l'argent, hein. L'argent est un objet. Ok, bah je demanderai alors. Ok. Et c'est ça que ce serait combien de pièces, je sais pas. Disons que.
tu repartiras en, laissant un flin avec la tête qui tourne. Repartant avec 3 pièces d'or supplémentaires. Sur les quoi? Sur sur toi, c'est les tiennes. Ok. Je me pose la question, c'est que quand même, tu veux donner un objet que t'as récupéré sur une de tes... Mon truc, c'est que c'est un peu mon trophée, quoi. Donc c'est pour ça que si c'est un trophée pour un trophée, ça, ça se vaudrait. Mais c'est pas un trophée, ce que tu me proposes. Mais moi, je prends pas de trophée. Tu veux que j'arrache la tête de quelqu'un? Sinon, tu me passes une de tes cartes de tarot. Je te passe ça, la mort, t'es mal barre. Ah non, mais alors pour la blague, ce serait marrant. Tu ne pourras plus jamais tirer à la mort, parce que c'est moi qui l'ai. Justement, ça va pas. Peut-être que le jeu a besoin d'être complet pour que je puisse utiliser. Je sais pas. C'est très probable. Mais disons que... C'est pas possible, ça. Si je te passe un de mes trophées, faut que tu me passes aussi un des tiens. Ben... C'est équivalent. Je te passerai un de mes trophées, mais tu me rends mes 3 trésors. Ah oui, alors ça oui, de toute façon. Ok, bah tu gagnes 3 pièces d'or. Voilà, ça le clôt le deal. Tommy, qu'est-ce que tu voulais? On enchaîne. Alors, l'armure c'est très cher, l'arme j'ai déjà quelque chose. L'or, si tu me proposes que 3 pièces d'or, c'est pas très intéressant comme ça. Autant avoir une potion de soin, ça coûte plus cher que 3 pièces d'or. Je sais pas dire quelle était la qualité de la potion, mais oui. Ben oui, ça sera toujours mieux que 3 pièces une d'or. Une potion de soin. Voilà, parce que j'ai pas pensé à d'autres potions qui puissent être intéressantes. Potion d'endurance pour le cheval. Est-ce que une potion de chance? Ça coûte beaucoup trop. Mais c'est trop tard. Tommy, la baronne, elle a dit qu'on partait dans combien de temps? Ah bah non. Hop hop hop. On range les affaires et tout, tu vois, bah plusieurs... Il y a peut-être 2-3 servantes qui rangent et tout. Tu as le nain Mordrin qui arrive, qui vous regarde. T'es vrai. Bon, qu'est-ce que vous valez? Bon, rien. Toi? On a survécu à l'invasion d'un village par des... Fais-moi un jet d'esquive. Ah. Exigeant. J'aurais dû faire le mec. Oh. Non. Esquive pure, c'est ça? Ouais. Ah non, ça c'est endurance. Exigeant. Ah oui. C'est un... Ouais, ok, c'est un plus 1. Plus 1, ok. Attends, t'as dit exigeant? Ouais, donc exigeant. Plus 0. Ouais. Plus 1. Réussite de plus 1. Ok, moi qui pensais qu'il allait te mettre une tarte, lui il arrive, il va décocher un pain, tu vois arriver le truc étonnamment, et dessus tu sidestep pendant que t'étais dans ton monologue, mais apparemment t'étais plus affûté que ce qu'il aurait lu. Non, mais on a déjà été genre... On s'est déjà fait prendre une embuscade et notre village brûlé, donc ça va, t'inquiétez pas. Bien. Tu vois un truc? Passe devant Elfried. Ouais. T'as pas besoin de tester. Tu sais ce que je fais? Ouais. Alors lui il fait ça, et puis juste quand il se retourne, je fais... Tu lui craches dessus? Non, je crache au sol. Okay. En mode... J'ai autant peu d'intérêt envers lui que lui envers moi. T'sais, il te regarde de son seul œil. Allez, Veragin. J'ai la main sur la dague. Dégaine ton arc. Pourquoi faire? Dégaine ton arc. Pourquoi faire? Il t'intimide sévère. Ok. Fais-moi un jet si tu veux résister à l'intimidation, mais ouais. Jet de force mentale, s'il te plaît. Force mentale, ça va piquer. C'est loupé. Voilà. Moi 6. Bah, la première fois tu fais pourquoi faire. La deuxième fois t'as l'impression qu'il va te couper en deux. Genre vraiment tu te vois mort. Okay. Et t'es là. Je tire mon arc. Tu prends ton arc, t'es tremblote. Je te mets un malus de difficile juste parce que bah voilà. Ça te pousse un petit peu en situation de stress. Faut pas trembler. Toujours. Tu regardes, tire là. Montre un poteau de bois. Bah, je tire. Vas-y. T'as dit difficile? Difficile. Oh. Non, moins à côté. Non, moins. Tu tires à côté. Pff. Tu peux utiliser un poids de chance. Ouais. Attends, moi, pendant ce temps, je vais faire ça avec. Ah, mieux! Sophie, avec Marc. Ouais. 50. Ça fait plus 3. Plus 3. Ok. Frite dans l'œil, pas. Tu rates la deuxième, mais la deuxième, tu la mets plutôt bien.
Non, la deuxième, je retire dans la flèche que j'avais tirée. Non, t'as pas fait un hein, réussite critique. Oh. Pas Robin des Bois. Il te regarde, tu vois qu'il tenait ton arc. Il lâche sa poigne. Il allait te le retirer. T'as ta marque qui te regarde, prend une flèche. Il tire, il la met juste à côté de toi. Ouais. Air dépité, apparemment Marc tire mieux que ce qu'il pensait. Pas moi la voilà. Toi, tu veux quoi? Tu il te pousse, fais-moi un jet. Pas d'esquive, de force pure pour pas tomber. De la force, mais tu décolles là. Je suis une brindille. C'est ce qui se passe quand on a. Oh oui! Attends, c'est quoi, c'est un 7 ou c'est un 4? Ah, c'est un 4! J'ai fait. Plus 2, mais j'ai fait une réussite. Critique. Ok. Tu pousses, et en fait, il te pousse, tu tombes, et en fait, tu chopes sa barbe en même temps. Il se fait emporter, il s'y attendait pas du tout à ce que tu fasses ça. Lui, il fait du coup un pas, pendant que toi, tu esquives amplement le punch qu'il essaie de te mettre en juste pour rencontre. Tu te fais. Ouais. Très bien. T'as un arc, tu tires. Non. Que tu fais Moi, je ne n'utilise pas ma force. Oh là là. J'utilise ma cervelle. Elle vous regarde, vous. Qu'est-ce que vous dites? Réfléchissez vite. Ouga. Il te crache dessus. Dans la gueule. Ça, je prends pas. T'as la barre. Mais voyons, Mordrine. Je dis non. C'est elle ou personne? Eh ben, ce sera personne. Cassez-vous. T'as marqué là. Monsieur. Pareil, moyen de... c'est quoi qui. Je comprends que ça dérange. C'est quoi? C'est que elle. C'est justement le Wololo qui n'aime pas, mais parce que c'est pas tout à fait ça, voyons. Vous avez mal compris. C'est une diseuse de bonne aventure. Les cartes de tarot. C'est pas comme si elle savait faire quelque chose de vrai. Non, elle est là pour attirer l'attention. On est parti de notre Quackstead. Elle sera là pour divertir. Non, c'est vrai, quand je faisais Booga Booga, c'est parce que vraiment, elle fait Booga Booga. Donc, je me suis peut-être mal exprimé. Hein. Divertissement de la caravane. Voilà, c'est ça. Elle est là pour me faire rire, vous l'avez vu quand même. Elle est un peu drôle. Puis surtout, on voit pas ce qu'elle voit. Pensez vraiment que si j'étais là. Fais-moi un jet de marchandage. Pensez vraiment que si j'étais là pour me battre, j'aurais attrapé votre barbe à la place de vous. Esquiver déjà. Ça s'est esquivé. C'est joli. Plus 6 réussite automatique. Ok. T'as l'air. Ah bon, ah désolé. il se rapproche de toi, Ragin. Oui, là, t'as quand même une sale gueule. Tiens, il sort un petit mouchoir de poche. C'est genre. Si tu fais le fun le soir, c'était pas voulu. Ah bah voilà. On s'entend. Tu sais, elle s'approche un peu. Oui, alors. La magie, les nains. Vous savez. Voilà. Hein, je dis ça, je dis rien. Nous l'avons parfaitement compris. Ah, ok. Il y a deux autres gardes qui reviendront s'inscrire dans ce groupe, parce que le vote c'était du 50-50, donc je vais mettre les deux. Des gardes qui sont des anciens combattants du Sirland, donc des déserteurs en gros. Mais qui, eux, connaissent les us et coutumes de la protection, donc c'est pas trop un problème. Et ils se rajouteront à votre compagnie. Compagnie qui va donc prendre la route. Voilà. Vous êtes enfin sur un nouveau départ de HS Chatham. Tout se passe bien. Par enfin de cet endroit body. Let's go. À cheval. Quelque chose de notoire, quand même. Vous n'avez jamais eu de chevaux jusqu'à maintenant? Si. Non, non, tous un cheval. Vous avez marché jusqu'à HS Chatham, les gens. Pour exemple, de l'argent. Hein ? De l'argent. Et vous avez de l'argent. Oui, 3 pièces. Ça se passe donc plutôt bien pour vous, pour l'instant. Jusqu'à ce que ça se passe mal. Voilà. Je peux juste nous redire exactement qui c'est qui compose toute cette caravane. Nous avons. Donc, vous partez donc avec Charles le pervers. Charles de l'œil d'or. Qui est le caravanier dans le palfrenier. Non, c'est pas le palfrenier, c'est le
Le coachmaster, je sais plus comment on dit ça en français. Non, plus. Non, pas du tout. C'est celui qui dirige l'attelage. Exactement. Donc celui qui dirige l'attelage, qui se retrouve en tête, et il dirige le carrosse presque de la baronne. Mordrine lui montera avec la baronne dans le carrosse, ainsi qu'avec Tommy. Vous autres, oui, le cocher, voilà. Merci Régis. C'est Charles, c'est le cocher. Vous autres, vous serez donc à cheval sur tout le trajet avec Marc et les deux gardes qui resteront un peu à l'arrière. Ils auront plutôt envie de se faire petits et pas trop. Ils vont peu discuter avec vous tout le long parce que bah ils sont plutôt en train de vous utiliser comme moyen de fuite qu'autre chose. Il y a aussi la petite fille dans la caravane. Et puis en effet, donc derrière le carrosse, il y a une caravane. Tiré par, j'avais dit qu'il y avait deux servants, qui est conduit par un des deux servants, le deuxième servant est à côté. Et la caravane, elle regorge de matériel, et dans le matériel, vous avez caché la petite Élise. Mm-hmm. Voilà. Elle est cachée. Je tiens à préciser que il y a bien un moment où j'étais pas très loin des deux, et je leur ai dit de faire attention à l'œil d'orve, à Charles. Il a l'air oui, à vous deux. Il a l'air de vous reluquer un petit peu trop. Intéressant. Vous faites ce que vous voulez de cette info. Intéressant. Bien sûr qu'elle est bien. Pourquoi Charles va se retrouver avec des membres en moins à la fin de la nuit? Ah non, mais. On se demande quel membre. On verra ce qu'il va faire. Hein. Je n'approcherai pas de lui, en tout cas. Et donc, c'est sur cet épisode paisible que nous arrêterons cet épisode 17, normalement. Épisode paisible. Parce que maintenant, on va bêler. Donc, on fait une petite pause pour le live. 5 minutes, et on revient juste le temps de faire un petit tour aux toilettes. Pour YouTube, on se voit la semaine prochaine. On vous fait des gros bisous. Et le mot de la fin, ce sera quoi? En avant toute. Un nouveau départ. Épisode 17, un nouveau départ. La chance vous sourit. Des bisous. Ciao.